Sincèrement, ça fait un an qu'on travaille maintenant à Lancy. On est arrivé, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Ça fait un an qu'on travaille le bloc équipe, ça fait un an qu'on travaille nos gammes, individuellement, collectivement. De taper, bien sûr, pour répondre à vos questions, tout d'abord, de taper un Challenge League, c'est super, surtout pour la confiance pour les joueurs, parce que je trouve que sur la saison dernière, c'est quelque chose de mérité. Par rapport à l'abnégation des joueurs, le travail au quotidien, la mentalité et le talent, parce que je sais que mes joueurs ils en sont capables. Je leur ai dit qu'ils pouvaient chacun jouer à un niveau supérieur. Et on l'a démontré ce soir. Avec l'humilité, l'abnégation, le travail collectif, on arrive à des miracles. Là, je l'ai anticipé. C'est-à-dire que j'ai anticipé le fait de jouer à 10. Et je pense que c'est quelque chose que les coachs doivent travailler aussi, parce que souvent on peut se retrouver surtout en coupe, il y a un peu ses émotions, etc. Donc on peut finir à 10, donc je l'ai anticipé avec mon frère bien sûr, parce que je tiens à souligner aussi qu'on travaille beaucoup en binôme avec mon frère, qui est aussi très très important pour l'équipe, son travail offensif, etc. On a pu voir ses phases de jeu aussi. Donc on a préparé ça, on a anticipé ça et on pouvait finir à 10 et on l'a bien fait. Franchement, moi je vous dis sincèrement les choses, c'est que moi j'ai confiance en mes joueurs. Donc je savais qu'on allait être au niveau parce que je connais mes joueurs, j'ai joué au niveau, mon frère a joué au niveau, on connaît la Liga, on connaît la Challenge League, à l'époque Liga, Ligue B, on connaît ce niveau-là. Donc si mes joueurs l'ont fait, moi je ne suis pas du tout surpris aujourd'hui. Je veux dire qu'ils ont les qualités pour le faire, ils ont les qualités pour tenir ces équipes de plus haut que nous, je veux dire dans des ligues plus hautes que nous. Donc, et c'est chose qui a été prouvée aujourd'hui. Mais je ne suis pas du tout surpris par leur performance et par la victoire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un objectif à Lancy, c'est de retrouver au plus vite la première ligue. Toujours avec humilité, avec abnégation, avec travail. On ne s'enflamme pas, ça reste un match. La saison va être très longue, il y aura beaucoup de matchs. Après, c'est sur la durée qu'on va pouvoir justement gérer le fait du championnat et bien faire tourner, parce que je le dis et je le dis à mes joueurs aussi, c'est que j'ai toujours que des titulaires dans mon équipe et j'ai aucun remplaçant. Ça, c'est important et que je compte vraiment sur tout l'effectif.